Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. Soyez encore une énième fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, pour tous ceux qui sont nouveaux par ici, mon nom à l'état civil, c'est Robert Théa. Et ma fonction, je suis professeur à l'université générale Lansana Conté de Somfoné à Conakry. Je suis de nationalité guinéenne, il faut le préciser. Voilà, je suis spécialiste des questions de démocratie et de bonne gouvernance. En même temps, je suis président du parti politique qu'on appelle Citoyen au service de la République. Ça, c'est en Guinée. Que beaucoup appellent Guinée-Conakry, évidemment. C'était ma petite présentation pour toutes les nouvelles personnes par ici. Alors, chères dames, chers messieurs, la France est très très remontée, elle est très fâchée. La France n'arrive plus à se contrôler depuis la création de la confédération de l'AES. L'AES, la confédération de l'AES a vu le jour. La France est passée par tous les stratagèmes. Elle a pensé, n'est-ce pas, pouvoir mettre la pression sur la CEDEAO afin que la CEDEAO empêche ces trois États de la terre africaine du Sahel de continuer sur leur élan de déserteurs, de briseurs de la chaîne du néocolonialisme. Oui, elle a pensé ainsi. Mais la France a échoué. Puisque le 6 juillet, les trois présidents de la terre africaine du Sahel ont annoncé publiquement qu'ils ont pris un chemin de non-retour. Ils ont signé le protocole d'accord. Ils ont créé la confédération de l'AES. Une première en ce 21e siècle en Afrique, qu'une confédération naisse. Ils ont même ici brandi tout haut les protocoles d'accord, deux de couleur verte, l'autre de couleur rouge, où étaient apposées leurs signatures dans la ferveur de la joie de la fête. C'était la fête. Ils ont créé la confédération de l'AES. Non, la France est restée inconsolable. Et donc, pour ce faire, la France est donc passée, est en train de passer par ses stratégies habituelles. Malheureusement pour la France, nous connaissons ses stratégies et nous sommes là pour dévoiler ses stratégies au peuple de l'AES. Oui, je sais que le peuple de l'AES, ils connaissent déjà. Les peuples, les populations de l'AES sont extrêmement matures à ce jour. Ils connaissent déjà. Il n'y a rien qu'on puisse les apprendre désormais. Mais on va faire de notre petit devoir pour les présenter sur une table bien garnie, le plat, n'est-ce pas, que la France a préparé. Ils vont juste ouvrir et cracher les dents. Donc, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes des États du Sahel. Informez les uns les autres qui viennent pour qu'on puisse répondre à la France. Je veux des réponses en commentaire sur ce que la France a dit que nous allons dévoiler tout à l'heure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime parce qu'ils n'aiment pas qu'on dévoile, qu'on dénonce. Mettez beaucoup de j'aime puisque notre page est vraiment très sensible ces derniers temps. Ils nous suivent à la loupe. Oui, seulement qu'ils n'ont pas de moyens pour le moment. Sinon, ils sont prêts à faire sauter notre page. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? La France passe par son média favori, la RFI. La RFI dit, voici d'abord le titre qu'ils mettent. La création de la Confédération des États du Sahel. Un acte très inquiétant pour les populations de ces pays. Regardez le titre d'abord. Au moment où ils sont en train de voir les populations de ces pays sauter de joie de la naissance de cette confédération, eux, ils viennent écrire un acte très inquiétant pour les populations de ces pays. Si vous ne faites pas attention, vous avez par exemple au Mali des citoyens qui sont au fin fond là-bas à Kayes, qui n'ont peut-être pas accès à Internet, qui n'ont peut-être pas accès aux télévisions, mais qui peuvent lire, n'est-ce pas, les écritures de RFI. Si quelqu'un comme ça parvient à lire, il va dire, ah bon, donc les autres sont inquiets. Cela va avoir un effet de contagion. Lui aussi va être inquiet. Il va dire, ah, donc c'est inquiétant cette affaire. Puisque RFI même a dit que nos autres compatriotes sont inquiets. Or, c'est faux. Je vous dis, c'est faux. Il faut le redire, il faut le réitérer que c'est faux.
C'est faux. Personne n'est inquiet. C'est la France elle-même qui est inquiète. Ce sont les leaders politiques qui sont au service de la France-Afrique qui sont très inquiets. Puisque la création de la Confédération, n'est-ce pas, des États de l'AES, brise la chaîne coloniale. Ça brise les restangolos de la chaîne coloniale qui existe encore, qu'on peut qualifier de cette fameuse organisation qu'on appelle dangereusement CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pourquoi je voudrais que vous partagiez cette vidéoconférence. Vous la partagez. Forcément dans un village, si beaucoup n'ont pas Internet, il y a au moins une personne, deux personnes qui ont Internet, qui vont recevoir cette vidéoconférence et qui vont faire écouter cette vidéoconférence à leurs confrères, leurs compatriotes. Puisque le mensonge, il est gros. Comment la RFI peut dire que la création de la Confédération de l'AES, qui est d'ailleurs une joie absolue, palpable et visible dans l'œil, dans la démarche, n'est-ce pas, des populations de l'AES, comment est-ce que la RFI peut se permettre, vis-à-vis, devant Dieu, devant les hommes et devant l'histoire, de dire que la naissance de cette organisation inquiète les populations? Quelles sont les populations que la RFI a interrogées? Ou bien la RFI ne voit pas les populations manifester de joie? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qui se passe, c'est qu'ils sont dans un mensonge. Ils veulent créer un effet de contagion, créer l'inquiétude dans la tête des populations. Oui, et l'objectif de vouloir des inquiétudes dans la tête des populations, c'est quoi? C'est de pousser, encore une fois, les populations à se révolter contre les dirigeants des États de l'AES. C'est pour pousser les populations à dire, nous ne voulons pas de cette confédération. C'est pourquoi ils adoptent une nouvelle technique de communication qui est très puissante. Et pour combattre une telle technique, il faudrait que nous aussi nous soyons puissants dans notre communication. Et notre puissance va se mesurer à quoi? À notre capacité de partage de ces vidéoconférences. Oui, le message que nous donnons ici. Puisque les messages que nous donnons ici, on a deux étapes. Ce que je dis et ce que vous mettez en commentaire. Quand vous partagez, ce sont les deux qui partent à la fois. Sachez-le, retenez-le. Chères dames, chers messieurs, ça c'était le titre. Dans le contenu, ils passent par, n'est-ce pas, une soi-disant défenseuse gambienne des droits de l'homme, Fatou Diagne Sangor, qui dit ceci. Cela va sans doute, la création, n'est-ce pas, de la Confédération athénienne va sans doute éloigner davantage ces trois pays d'un retour prochain à la démocratie électorale. En clair, elle dit, non, la création de cette confédération va éloigner les trois pays au retour à la démocratie. C'est ce qu'ils doivent dire pour que nos citoyens soient inquiétés. Quels sont ceux qui ont dit, d'abord avant d'aller de ce côté, depuis quand la création d'une confédération peut éloigner l'avènement de la démocratie? C'est faux. Et puis depuis quand d'ailleurs on a dit que la démocratie est le plus bon régime politique? Moi je suis au Maroc. Je suis au Maroc, c'est la royauté. Mais les Marocains vivent très bien là. Ça vit bien par ici. Le pays est développé. Qui a dit que la démocratie est le plus bon régime politique? Mais n'est-ce pas eux-mêmes droits de l'hommistes qui ont dit que la démocratie est l'exercice du pouvoir par le peuple et pour le peuple? Donc, c'est le peuple qui est souverain. N'est-ce pas eux, droits de l'hommistes, qui ont dit que la décision de la gestion de la nation repose sur la volonté du peuple? C'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qu'il faut écouter. Mais tout récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Au Mali, au Burkina, le peuple s'est prononcé. Et c'est le peuple qui est en train de se prononcer. Mais bizarrement, vous allez les voir venir dire non. Ils ont été manipulés, comme si le peuple ne savait pas ce qu'il voulait. Voici comment ils nous ridiculisent, nous Africains. Voici comment ils nous ridiculisent. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici et maintenant, nous répondons à la RFI pour dire à la RFI que c'est le contraire. Les populations des États de l'AES ne sont pas inquiètes. C'est clair. D'ailleurs, je ne vais pas répondre à la place des populations de l'AES. Répondez en commentaire. Ils vont lire, puisque nous sommes très suivis, vous le savez. Ils nous suivent à la loupe. Répondez en commentaire. Est-ce que vous êtes inquiet de la création, n'est-ce pas, de la Confédération de l'AES? Je veux voir ça en commentaire.
Merci donc à toutes et à tous. C'était un plaisir de vous servir ici sur la tribune d'éveil des consciences. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.